Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, savez-vous ce que j'aime à l'IUT? Le bâtiment est assez vieux, pas très beau, ce qui n'encourage pas l'installation de caméras de surveillance. Ça fait quand même du bien, non? Aucune caméra, personne ne vous regarde. C'est agréable. On peut rapidement se sentir oppressé. Tout le temps observé. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour travailler. Bien. Vous demandez sûrement ce que j'ai contre ces petites caméras. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons tous été convaincus que ces caméras réduisaient le risque d'intrusion chez vous, de crimes sur la voie publique, toutes sortes de vols. Mais en réalité, ça reste une petite caméra. On peut mettre ce qu'on veut sur son visage, personne ne voit. Masque, cagoule, sac en plastique. Et vous, tout de suite, êtes complètement furtif. C'est quand même génial. Comme vous le savez sûrement, je suis britannique. Le pays de Big Brother. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Puisque, si vous êtes déjà allé à Londres, ce qui est fort possible, vous auriez vu les caméras partout. 691 000 caméras pour quelques millions d'habitants. Est-ce que ça a solutionné le problème de la criminalité? Je vais régulièrement à Londres, j'ai de la famille là-bas. La violence dans certains quartiers est omniprésente, beaucoup moins dans le centre-ville, heureusement, mais ça se ressent sur les quartiers plus résidentiels. C'est pour ça qu'il y a eu l'année dernière 31 000 crimes dans le Grand Londres, soit environ une dizaine de kilomètres carrés. Ça fait peur malgré les caméras, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous demander beaucoup d'attention. Quand on voit cette caméra, on pense à l'espionnage, surtout à Londres. Espionnage pour moi c'est James Bond, un personnage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Déjà il a une allure qui est très charismatique, c'est quelqu'un d'aimable, qui travaille comme il faut. Et également il a une voiture que j'aimerais bien avoir. Voilà. Donc on voit son équipe derrière des centaines de caméras qui regardent partout dans le monde. En réalité c'est pas vraiment ça. C'est une personne qui travaille pour la mairie, qui est devant une dizaine de petites caméras dans sa petite pièce, il attend. Oh, un enfant a fait tomber une glace. Le grand-père essaie de ramasser, il tombe aussi. Mince. Maintenant, la maman va essayer de ramasser les deux et repartir. C'est vraiment passionnant, on vient d'éviter une catastrophe. Bon, maintenant, j'ai voulu investir dans des caméras à la maison parce que voilà. On nous a dit que c'était beaucoup mieux, une entreprise qu'on voit partout. Vérissure, elle est très sûre, je ne sais plus trop. On nous a dit que ça vaut vraiment le coup de venir chez nous, c'est que 25 euros par mois, pendant 10 ans. Et vous n'aurez aucun problème. Déjà, deux mois plus tard, on s'est cambriolé, on n'a rien pu faire. Oui, il y a deux messieurs qui sont arrivés dans un enchantement de la poste. Bon. Il y en a un qui mangeait un sandwich, l'autre fumait une cigarette. On est venu, on a la caméra. Oui, d'accord. C'est un peu tard, c'est hier. Mais ils sont très efficaces pour une chose. Quand le chat change de pièce et que la caméra est allumée, je sais tout de suite que le chat a changé de pièce. 10 minutes plus tard, des alarmes partout, un type qui m'appelle, allô, oui, on a vu que la caméra avait sonné. Oui, c'était le chat. Vous pouvez changer le slogan. Vérifiez très sûr. Regarde vos chats 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça ne branche vraiment pas ces caméras. On nous regarde 24h sur 24, ça ne sert pas à grand chose, et en plus c'est quand même pas très agréable de voir l'allumer tout le temps, l'éteindre, on oublie, ça sonne, il n'y aura pas à nouveau, voilà. Donc nous sommes observés, plutôt surveillés, tout le temps, il n'y a rien à faire, progressivement on nous enlève nos libertés. Il faut réagir, citoyens. Déjà, il n'y a plus d'oiseaux, c'est des drones. On fait ça depuis au moins une trentaine d'années, personne ne veut le croire. C'est quand même dommage. Chaque agent du FBI contrôle un de nous avec son petit drone qui passe partout. Oh, j'ai vu ce poème hier. Bah oui, c'est cohérent. C'est un point critique. Si vous commencez à avoir des girafes, c'est pas des girafes, c'est des radars. Vous passez en voiture devant la girafe, boum, 135 euros d'amende. Ah, super. Donc, mesdames et messieurs, je vous appelle à la vigilance. J'ai lancé plusieurs actions, dont une pétition change.org. S'il vous plaît, allez liker la pétition, la signer. Peut-être 5 euros, ça peut aider. Après, on a une chaîne YouTube pour tout expliquer. Donc, likez encore une fois, un petit follow sur plaisir. Bon, et 5 euros aussi pour mes vacances. Merci beaucoup et très bonne soirée.